les policiers et les militaires font des métiers dangereux et difficiles. Dans le cadre de leur travail, ils sont parfois amenés à commettre l'irréparable. C'est le cas de Loïc et de Guy, qui ont un jour tué un homme lors d'interventions particulièrement risquées. Ils ont souhaité nous confier leur témoignage. Comment ont-ils assumé les conséquences de leur acte ? Donner la mort dans le cadre de son métier est-il plus facile à accepter ? Guy a la démarche assurée d'un homme qui a passé plus de 27 ans dans l'armée de terre. Aujourd'hui retraité de l'armée, ce montagnard de 50 ans n'a jamais refusé de mission, même lorsqu'elles étaient très délicates. C'est ma mère qui nous a élevés. Mon père était très absent. Elle était issue d'une famille de militaires. Son frère était militaire, son père était connu la guerre. Donc en fait, j'ai baigné dans ces récits de guerre. Donc tout petit, je savais déjà que je ferais militaire. C'était une vocation, hein, avant tout. Il y a aussi de très grandes valeurs chrétiennes et catholiques qui m'ont accompagné tout le long de mon enfance. En 2005, mon unité a été désignée pour une relève en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Force Licorne. On était basé à Bangolo, qui se trouvait au centre de la zone de confiance. Et donc j'avais un secteur de responsabilité qui ressemblait à un petit département français. La situation dans cette zone était chaotique. Tout ce qui représentait l'État avait disparu. Donc cette zone avait été livrée aux mains des miliciens et surtout des coupeurs de route. Les coupeurs de route qui sont des bandits de grand chemin, qui violent, qui pillent, qui massacrent. Et en toute impunité, vu qu'il n'y avait personne pour les arrêter. Cette mission nous tenait vraiment à cœur parce qu'on voyait que par notre implication, on pouvait aider vraiment et protéger la population, ce qui était vraiment le fondement du métier. On s'infiltrait sur renseignements d'indics pour aller justement appréhender dans la nuit, au cœur des villages, des coupeurs de route. On s'engage pas pour tuer, hein, on s'engage pour protéger, hein, avant tout, hein, pas pour tuer. Maintenant, s'il faut tuer, on sait que ça fait partie de l'engagement, comme d'être tué. Mais est-ce qu'on y est vraiment préparé? C'est le jour du clash que vous pouvez le mesurer, ça. Au fond de moi-même, je sais très bien qu'on n'est pas forcément préparé à ça. En 2005, la Côte d'Ivoire est en plein chaos. Guy et ses hommes tentent de neutraliser des coupeurs de route, des bandits qui terrorisent la population. Un chef de bande est tout particulièrement dans leur collimateur. Il s'appelle Firma Mahé. Et cela fait déjà plusieurs semaines qu'il est recherché par les soldats français. Le 13 mai 2005, une de mes patrouilles est en mission et tombe sur Mahé. Et Mahé, c'est un fou sanguinaire. En fait, il viole, il pille, il tue. C'est un chef de bande qui s'arrête devant rien, qui fait preuve d'aucune pitié, d'aucune clémence. Il y a des tirs de semonce qui sont faits par la patrouille. Et Mahé a été blessé à ce moment-là. Mahé, lorsqu'il arrive au poste, je veux dire, quelque part, c'est un soulagement pour moi. Mais c'est aussi une grosse déception parce qu'il est encore vivant. Donc je sais que ça va être des emmerdes. Je reçois un ordre complémentaire de mon colonel. Donc là, ça ne respectait pas la chaîne hiérarchique. Normalement, c'est mon capitaine qui aurait dû me donner les ordres. Et donc le colonel me dit, bon voilà, une fois que les premiers soins sont faits à Mahé, vous le remontez à Mans et vous prenez bien votre temps. Bon, je suis adjudant-chef, j'ai un petit peu de métier. Quand je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les ordres,
je me les fais répéter. Donc là, en l'occurrence, je me fais répéter l'ordre. Et en fait, je précise, donc, il ne doit pas arriver vivant. Oui, vous m'avez très bien compris. Voilà. Donc l'ordre était complètement clair. Il avait été donné de manière implicite. Je me le suis fait réexpliquer et confirmer. C'était complètement explicite. Il ne me donnait pas de mode opératoire, mais l'objectif et la mission, je la connaissais. Mahé, le criminel, devait arriver mort à Mans. Mahé a été chargé dans mon véhicule. Donc le convoi s'ébranle et donc moi je me mets là à réfléchir à un scénario possible. Il y avait un sac plastique qui était posé derrière le poste pilote. Je l'ai pris, j'ai enserré la tête du blessé inconscient. Et bon, ça a été très vite. C'était très vite. Voilà. Daniel Zaguri, vous êtes psychiatre, spécialiste en psychiatrie légale et expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Les conséquences psychologiques sont-elles les mêmes lorsqu'on tue dans le cadre de son métier ? Lorsque l'on tue dans le cadre de son métier, par exemple si l'on est policier, dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement, il y a, si je puis dire, une préparation à l'idée que peut-être un jour on va être dans des circonstances telles qu'on sera obligé, contraint, d'utiliser la défense pour armer, pour éviter d'être soi-même tué. Ce serait choquant de dire que ça facilite le retour à la vie, ça voudrait dire que dans une certaine mesure c'est moins grave. Or derrière le policier il y a un être humain et cet être humain il va réagir à un événement terrible. Moi je suis psychiatre, si je dis qu'il auto-légitime en quelque sorte son acte, ben ça peut renvoyer à quelque chose de juste. Peut-être après tout a-t-il raison, mais ça peut renvoyer aussi à un mécanisme psychique protecteur. Après avoir obéi aux ordres et étouffé Firmin Mahé avec un sac en plastique, Guy et ses hommes jurent de garder le secret. Ils achèvent normalement leur mission en Côte d'Ivoire et rentrent en France quelques mois plus tard. Ce serait mentir de dire que la mort de Mahé m'a empêché de dormir. Je sais que grâce à ça, on a sauvé du monde. On a sauvé des gens, on a sauvé des vies. Donc, je n'ai pas le souvenir d'avoir été obnubilé par cette action que j'avais faite, qui me mettait hors la loi. Pour qu'un secret soit bien gardé, il faut un nombre impair, et 3 c'est déjà trop. Donc voilà, c'était complètement clair, pour moi c'était limpide, il fallait que ça reste entre le chef, moi et mes hommes, et c'était terminé. On pensait vraiment que c'était loin et qu'on ne serait plus inquiété, et que voilà, la vie suivait son cours. Moi j'avais un commandement, Je bossais tous les jours, mes subordonnés aussi. On s'est dit, bon voilà, pour nous, à nous de vivre avec ça, mais on sait que bon voilà, il n'y aura pas de suite. Donc, et 5 mois après, badaboum, y a tout qui s'écroule autour de nous. Quoi. En octobre 2005, un militaire dans la confidence choisit de rompre le secret et l'affaire s'étale dans toute la presse. À partir de là, c'est une affaire qui devient judiciaire, donc les rouages se mettent en route et le rouleau compresseur se met en marche. Donc pour nous c'est 36 quais des Orfèvres avec garde à vue et prison à la clé en préventive pour certains d'entre nous. Que
quand on nous a dit, eh ben voilà, c'est casse-prison. Ouais, c'est... il y a une petite trappe qui s'ouvre là, puis... Et qu'est-ce qui se passe ? Mis en examen pour homicide, Guy est placé en détention provisoire. Il découvre alors avec stupeur que sa hiérarchie ne le soutient pas. Ses chefs nient lui avoir donné l'ordre de tuer. C'est vraiment tout le monde que je connaissais et que je respectais qui est en train de s'effondrer. Donc là, je ne perds pas pied, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je n'arrive pas à intégrer que je puisse être abandonné par ma hiérarchie alors que j'ai rempli la mission et que la veille, j'étais le meilleur soldat du monde. Je ne comprends pas. Bon, j'ai vite repris pied dans la réalité. Pour moi, bien sûr, pour mon bien-être psychologique, pour pouvoir continuer le combat, mais aussi pour mon subordonné, parce que je partais avec un de mes hommes, quoi, en prison. Et cet homme-là, s'il était en prison, c'était par ma faute, parce que j'avais assumé et pris la décision de partir remplir cette mission. Si je n'avais pas rempli cette mission, pas d'affaires, pas d'histoire, la vie suit son cours. Guy va passer 7 mois en détention préventive à la prison de la santé à Paris. Malgré la déception d'avoir été lâché par sa hiérarchie, il ne se laisse pas abattre et profite de son incarcération pour préparer sa défense. La prison, ça a été une expérience humaine énorme, que je conseille à personne, hein, mais il faut savoir tirer parti de toute situation. Et un vieil adage qui dit « ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est vrai que j'ai vu des gens détruits par la prison. Moi, je pense que ça m'a rendu plus fort. Je n'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours cru que nous en sortirions, aussi bien mes subordonnés que moi. Je pense que j'ai beaucoup tenu, grâce à mes subordonnés d'ailleurs. Mais on ne peut pas imaginer ce que c'est que ce milieu carcéral tant qu'on n'est pas passé par là. Quand on vous met en prison, en préventive, vous savez quand est-ce que vous y rentrez, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir. Vous n'avez pas de date, vous n'avez pas d'échéance. L'échéance, c'est le procès ou le jugement après le procès qui peut vous amener 20 ans plus tard. Parce que bon, moi, je n'étais pas là-dedans pour un vol de carambar. J'étais retenu, j'étais en prison pour homicide, pour meurtre. C'est quand même pas rien, donc c'était un motif à 20 ans de prison. Et j'étais en paix avec ma conscience. Maintenant, je comprenais très bien que j'ai des comptes à rendre à la justice. Les premiers parloirs, c'est là où j'ai pu mesurer l'étendue des dégâts et des dommages collatéraux sur la famille. Je n'avais pas mesuré ça. Je pensais que bon, bah, à l'arrière, ça tenait le coup, quoi. Moi, j'avais le moral, je me battais, j'étais vraiment dans la combativité et je fonçais. Donc, je n'avais pas senti à quel point il y avait une détresse de la part de la famille. Quand j'ai vu ma mère, qui est une femme au moral d'acier, quand je l'ai vue, j'ai pu mesurer sa détresse et le fait qu'elle ait perdu à peu près 20 kilos, qu'elle soit tombée malade, diabétique, et je ne l'ai pas reconnue. Donc là, oui, on prend une grosse claque dans la figure, là, et on se dit... Qu'est-ce que je peux faire pour les aider ? Bon, parce que le jeu, normalement, c'est d'aider celui qui est en prison. Mais en fait, on s'aperçoit que non. T'es en prison, mais il faut aider celui qui est dehors à survivre parce que c'est lui qui est vraiment en grande détresse. Autant je peux vivre avec ça parce que je sais que j'ai mis hors d'état de nuire un assassin. Et ce qui me fait tenir, c'est le fait d'avoir sauvé des vies. Si j'avais tué un innocent, je sais très bien que je n'aurais pas pu vivre avec ça. C'est une certitude. Autant je respecte la vie, j'ai donné la mort par respect de la vie. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça qui a motivé ce geste et le fait de ne pas remettre en question cette mission. Concernant les crimes commis par des militaires, la justice civile est-elle adaptée pour juger ce type d'affaires ? Vous avez pendant très longtemps eu une sorte d'impunité de l'armée en France qui n'a jamais eu à répondre de ses actes. L'exemple le plus récent, si on peut dire, c'est la guerre d'Algérie,
où à peine la guerre terminée en 1962, ont été votées des lois d'amnistie. Donc, tout cela est couvert par la loi du silence. Alors, on est aujourd'hui au XXIe siècle, avec une justice aussi internationale qui existe, avec des crimes de guerre qui sont poursuivis. Donc la France ne peut plus réagir, ou ne pas réagir en tout cas, comme elle l'a fait pendant des siècles, pendant des décennies. Donc oui, vous avez une justice ordinaire qui n'est plus la justice militaire, qui avait laissé de si fâcheux souvenirs, et qui doit, d'une certaine façon, traiter le militaire sur le terrain, en action, comme un citoyen ordinaire. Évidemment, ce n'est pas possible. Après 7 mois derrière les barreaux, Guy est finalement libéré dans l'attente de son procès. Il retourne alors dans les Hautes-Alpes, dont les paysages lui ont cruellement manqué durant son incarcération. Il réintègre son régiment et tente de retrouver un équilibre. À ma libération, j'ai eu un peu de mal à prendre conscience que j'étais vraiment libre. Les choses n'avaient pas beaucoup de saveur quand je suis sorti de prison. Et lorsque j'ai été libéré, bien, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des gens qui m'avaient vraiment aidé. Et puis, beaucoup de gens qui, en fait, ils ont fait la manche à air, ils ont suivi le vent et ils nous ont complètement lâchés. Voilà. J'ai repris le boulot assez rapidement, ce qui m'a, je pense, beaucoup aidé. Le fait d'être occupé, de pas avoir à penser en permanence à cette épée de Damoclès avec laquelle il fallait vivre, à savoir le procès en assises qui allait arriver. Je suis allé faire mon boulot le matin en sifflant. J'étais heureux d'aller travailler, j'étais heureux de retrouver mes gars. J'avais plus de commandement, hein, mais... J'avais le sentiment d'être à ma place. Les 7 années entre la prison et puis le procès, c'est évident que ce n'est pas des années qu'on traverse avec aisance. Hein. Et, le fait d'avoir toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de ne pas savoir quand est-ce que ça va tomber, eh ben, il faut vivre avec. On vit avec et on essaye de profiter au maximum de ce qui nous reste peut-être à vivre, en homme libre. Voilà. Donc oui, j'avais peur, je redoutais ce procès. Je le redoutais, mais je l'attendais aussi, parce que je savais que quelque part, s'il pouvait y avoir, peut-être pas une rédemption, mais un nouveau départ pour moi, eh ben, il fallait absolument que ça passe par ce procès. Le 27 novembre 2012, 7 ans après le drame, le procès de Guy s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Paris. Il risque 30 ans de prison. Ce que j'attendais de ce procès, c'était que je puisse m'exprimer. Parce que quand on est militaire, on a une liberté d'expression qui est quasiment nulle. Donc moi, les consignes que j'avais, c'était silence radio, hein, on n'en parle pas. Mais moi, j'avais toute cette souffrance accumulée, la mienne, celle de mes proches, celle de mes soldats. Le fait qu'on ait dit énormément de choses qui étaient fausses, j'avais besoin de parler. Et ce procès, ça me donnait l'occasion de parler. Quand le procès a débuté, au deuxième jour du procès, normalement, c'est là où les accusés prennent la parole. Bon, apparemment, j'aurais dû parler pendant 2 ou 3 heures. J'ai parlé pendant 7 heures. 7 heures. Et j'ai rien révisé. Je veux dire, mais j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler... pour me libérer et parce que il fallait que vraiment je lâche toute cette pression que j'avais accumulée pendant tout ce temps-là. Et j'avais tellement à dire, tellement à dire. J'ai expliqué qui j'étais, j'ai expliqué comment on pouvait en arriver là, j'ai expliqué il était difficile de juger quelqu'un sans comprendre quelle est la réalité du terrain.
Voilà, en étant détaché du terrain, on ne peut pas comprendre comment on peut en arriver là. Je ne me suis jamais considéré comme un assassin. J'ai rarement senti ce regard sur moi. Je crois même que je ne l'ai jamais senti. Après 11 jours de procès, le jury populaire condamne Guy à 4 ans de prison avec sursis. C'est donc en homme libre qu'il ressort du tribunal. Si j'étais reparti en prison, pour moi, ça voulait dire que je signais mon arrêt de mort, parce que je crois que je n'aurais pas survécu, non pas par fragilité mentale ou par faiblesse physique, mais parce que pour moi, ça aurait été vraiment dire, bah oui, je suis vraiment un assassin. Ma place est en prison, et bien si ma place est en prison, autant que je meure. Voilà. Donc, l'enjeu, c'était avant tout que ni mes hommes, ni moi, nous allions en prison. Ça, c'était l'enjeu primordial. Et le deuxième enjeu, c'était, bon, ceci dit, ça allait ensemble, c'était de faire passer le message qu'on peut être un mec bien, et à un moment donné, les choses se mettent en place d'une certaine manière, on ne peut plus les contrôler, on est pris dans une spirale infernale, et on en arrive à faire des choses qu'on ne ferait pas si on n'était pas placé dans ce contexte-là. Voilà. Alors, c'est bien sûr que je regrette d'avoir fait ça, mais quand j'y réfléchis encore aujourd'hui, je me dis, mais c'était quoi la solution? Qui sait? Personne ne pourra répondre à cette question. Personne. Même si un homme est mort, il y a eu beaucoup de souffrance, il a été la cause de grands malheurs. On a fait cesser ses activités. Si le prix à payer, c'était 7 mois et demi de prison et les dommages collatéraux pour les familles et nos amis, le fait d'avoir sauvé qu'une seule vie, peut-être que ça vaut tout ça. Guy a attendu 7 ans, Loïc 6 ans pour être jugé. Comment on explique ces délais? D'abord, ce sont des affaires très compliquées. Le premier parle d'une amnésie, effectivement. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, il y a des ressorts très difficiles à comprendre. Et puis, il y a des problèmes techniques, des problèmes balistiques. C'est évidemment des affaires dans lesquelles la justice est beaucoup plus pointilleuse que d'habitude, et où la défense, évidemment, des prévenus est beaucoup plus acharnée qu'ailleurs. Et puis vous avez dans l'affaire du militaire une affaire qui se passe à l'étranger, sur un terrain de guerre. Donc savoir exactement ce qui s'est passé dans un pays d'Afrique en pleine guerre, c'est quelque chose, j'allais presque dire, de presque impossible, en tout cas de très très difficile et de très long. Mais le délai est aussi terrible hein, pour les oui, auteurs. Oui, je sais bien, mais il faut se rappeler que la moyenne de durée des informations en France est quand même de 2 années. Et dans les affaires compliquées, ça dépasse largement les 2 années. Alors, Guy a parlé durant plus de 7 heures hein, pendant son procès. Est-ce que le rôle du procès, c'est justement de libérer la parole? J'allais presque dire que c'est le rôle essentiel. Le procès en France, c'est un débat public, oral. Et donc, les jurés, les magistrats vont se déterminer à partir de ce qui a été dit. Maintenant, prendre la parole dans un procès, aux assises ou ailleurs, c'est quelque chose à laquelle personne n'est habitué. Et peut-être même, faut-il dire, que les magistrats eux-mêmes n'ont pas une propension démesurée à faciliter la parole des accusés. Vraiment mettre quelqu'un en confiance, le laisser aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de dire, c'est extrêmement compliqué et ça demande beaucoup d'expérience et en même temps, j'allais presque dire, des dispositions personnelles particulières. Tout cela n'étant pas souvent rempli, il est rarissime que quelqu'un ait le temps de s'exprimer 7 heures durant, comme notre accusé en l'espèce. J'aimerais bien que ça soit le cas tout le temps, mais je dois reconnaître quand même humblement que la justice n'est pas à cette hauteur-là. Une fois que je me suis retrouvé avec
le procès derrière, et puis la vie devant moi, grand moment de solitude, je me dis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cette vie qu'on m'a offert? Qu'est-ce que je fais de ça? Donc là, une grosse remise en question, aussi bien à tout niveau, professionnel, familial, tout, je veux dire, je ne savais plus quel sens donner à ma vie. Donc en fait, je me suis vite orienté sur une vie associative. Retiré de l'armée, Guy poursuit son engagement en créant une association humanitaire qui distribue du matériel médical dans les villages reculés du Maroc. Moi, je ne vis pas avec un mort sur la conscience, je vis avec des victimes sur la conscience. Il y a une grande nuance là-dedans. Oui, il est mort, oui, il est mort. Il aurait mérité d'être en prison à vie, cet homme-là, et que je ne me salisse pas les mains. Maintenant, je vais pouvoir vraiment vivre, profiter de la vie. J'oublierai jamais cette mission et j'oublierai jamais tout ce qu'il y a eu derrière. Mais tout cela m'a fait grandir, m'a rendu meilleur, je pense. Loïc et Guy ont donné la mort dans le cadre de leur métier. S'ils ont tous deux été désavoués par leur hiérarchie, ils restent persuadés d'avoir fait leur devoir en protégeant des innocents. Deux hommes, deux professionnels et deux destins très différents, qui rappellent que tuer un homme, même en service, peut avoir des conséquences sur toute une vie.